dire bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pixelmon Hunter. J'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous avez pu le constater, l'épisode ne sort pas un mercredi, mais bien un jeudi. Je vais vous expliquer ces petits changements dans un instant. Et comme vous l'avez vu aussi en intro de cette vidéo, on a construit un nouveau petit espace. Alors d'ailleurs, à quoi il sert? On va aller juste à côté. Voilà, on va passer par ici. Bon, j'avais laissé une petite ouverture. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous le voyez bien, je pense, au niveau des étoiles. J'ai décidé d'appeler ça la Shiny Box. On avait fait déjà donc plusieurs grosses salles un petit peu spéciales, hein, pour deux légendaires en particulier pour l'instant, et j'avais envie de faire un autre gros build un petit peu dans le même style. Alors après voilà, c'est un style très particulier, j'aime bien faire beaucoup les choses en vert parce que bah, indirectement le truc le plus important à voir dans ces structures, c'est pas la structure en elle-même, mais c'est les Pokémon à l'intérieur. Et je me suis dit, tant qu'à être à l'extérieur, même faire le sol en vert, parce que là on pourrait passer par en dessous par exemple, et mettre ici à l'intérieur les Pokémon qui pourront se balader tranquillement. Voilà, en tout cas j'espère que cette Shiny Box vous plaît. Je pense pas qu'il y en aura qu'une seule parce que ça va vite se remplir en soi, et le but c'est pas qu'ils soient tous mis les uns sur les autres, mais comme toujours on pourra s'extend d'un côté ou de l'autre pour agrandir cette salle là en tout cas, mais ça c'est plutôt plaisant. Et donc on mettra les Shiny à l'intérieur un petit peu plus tard dans l'épisode. Alors oui mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous l'avez constaté, cette semaine l'épisode sort un jeudi. Vous allez bien sûr me demander pourquoi, hein, parce que vous êtes dans le droit de vous demander. Normalement c'est pas le mercredi et le samedi les épisodes de Pixelmon. Alors tout simplement, partez du principe que le jeudi ce sera maintenant le jour de sortie de l'épisode de la semaine. Ce qui en résumé veut dire qu'il n'y aura plus deux épisodes par semaine, mais bien qu'un seul. Tous les jeudis à 17h30. Facile à comprendre, je pense. Vous êtes en droit de vous demander pourquoi plus qu'un seul épisode et pas continuer sur un rythme de deux. Pour vous la faire courte, un épisode de Pixelmon, ça prend énormément de temps à réaliser. Et j'ai remarqué que plus on avançait, bah plus c'était difficile de garder le rythme pour bien faire bah, de très bons épisodes bien complets, avec toujours un timelapse au début, donc de la construction au temps de la capture Pokémon. Et c'est pour ça que je préfère réduire le rythme à un bon épisode par semaine plutôt que deux moyens que vous allez peut-être moins aimer. Et surtout que mon rythme se réduit de une vidéo en moins par semaine en soi, et ce qui me permettra au long terme de vous produire du meilleur contenu tout le temps, sachant que je peux bien travailler même les autres vidéos. Même si c'est déjà le cas, mais vu que je suis tout seul à travailler sur la chaîne, autant dans les montages, etc., c'est tout moi qui fais, bah, ça me permettra de libérer un peu de temps pour vous faire du meilleur contenu. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Faites-moi un petit peu vos retours dans les commentaires. Je suis désolé s'il y a des gens que ça déçoit. Voilà, je peux comprendre. Mais partir du principe, voilà, que cette série, on la continue. Je veux la continuer mieux. Il y a même des nouveautés qui vont arriver dès aujourd'hui. Bah, dans ces épisodes de Pixelmon, justement, je vous enlève un épisode par semaine, mais je vous rajoute du contenu dans ce même épisode. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne si vous voulez bien sûr pas les louper, ces épisodes. On arrive très rapidement aux 200 000 abonnés. Donc, si vous voulez être là avant les 200 000, vous pourrez dire, ah, moi, j'étais là avant les 200 000. Bah, faites-le dès maintenant. Vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sur la chaîne et vous n'êtes pas abonné. Mais moi, dans ces cas-là, je peux pas passer les 200 000. Hein. On va faire notre petit rituel de début d'épisode. Comme à chaque fois, nous allons chercher nos Lucky Blocks. Je pense que vous savez tous que tous les 1000 likes, on ouvre un Poké Lucky Block qui nous permet d'avoir des Pokémon aléatoires. Le dernier épisode en a fait 6000, merci à vous, ça fait 6 Lucky Blocks. Et si vous voulez soutenir encore plus, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me permettra d'ouvrir plus de Lucky Blocks et d'avoir plus de légendaires, bien sûr. On se garde ça pour un petit peu plus tard dans l'épisode, et maintenant nous allons parler, pas de la liste de chasse, mais des listes de chasse. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui on va pas se limiter à une seule liste de chasse. Avant, on était sur un rythme par semaine à attraper à peu près 6 Pokémon, normalement, si on remplissait les deux listes de chasse dans l'épisode du mercredi et du samedi. Alors ça va changer pour le coup, vu qu'on passe à un seul épisode par semaine, vous allez pouvoir proposer des listes de chasse de 5 Pokémon maintenant. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Il va falloir réfléchir à ce que vous allez me proposer. Mais comme ça du coup fera plus de contenu dans l'épisode. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai sélectionné une liste de chasse avec 3 Pokémon à l'intérieur. Et j'ai donc pris une deuxième liste de chasse où j'ai pris que les deux premiers Pokémon à l'intérieur. Et du coup ça fait un total de 5 Pokémon. On doit en attraper 4 minimum pour valider l'épisode et 5 pour avoir la récompense. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'explications en ce début d'épisode, mais comme ça on remet les bases pour la suite de la série. Pas beaucoup de changements en soi, à part qu'il y a un épisode en moins, et le fait qu'on va attraper dans cet épisode plus de Pokémon. La première liste de chasse est proposée par Nasteams. Et dans cette liste, il nous propose Zigzagoon de Galar, Luxray,
et Pyroli. Il y a du simple et il y a du un peu plus compliqué. Pyroli, on peut le trouver, on l'a vu la dernière fois au dernier épisode, mais il est quand même ultra rare dans sa zone. Hein. On verra bien ce que ça donne. Et là, on passe sur la deuxième liste de chasse qui est proposée par Dragon Félin 612 et qui nous propose deux trucs assez compliqués comme vous pouvez le voir, Motisma et Dratak. Alors en vrai, j'adore ce doublon de liste de chasse, il y a vraiment des trucs un petit peu compliqués, mais surtout des Pokémon très intéressants. Moi, j'adore Motisma, j'adore Dratak, Pyroli aussi, Zigzaton de Galar est très sympa. Donc pour le coup, c'est assez diversifié. Je vous ai donc mis la liste à droite, mais du coup, où est-ce qu'on trouve ces Pokémon et à quel moment? Alors, le Motisma, ça va être très clairement la chasse la plus dure d'aujourd'hui. Il ne spawn qu'à minuit pile, hein, pas avant, pas après, dans les Roofed Forest. Voilà, comme quoi c'est l'un des Pokémon les plus durs à attraper, je pense même dans Pixelmon en règle générale, parce qu'il spawn qu'à une heure précise. C'est même pas une partie de la journée ou quoi que ce soit. Une heure précise, vous vous en rendez compte? Dratak, quant à lui, il spawn la nuit dans les Mesa, on en avait vu un la dernière fois. Pyroli, c'est pareil, dans les Mesa l'après-midi. Zigzaton de Galar, je pense qu'on le trouve un petit peu partout, ce sera très clairement l'une des chasses les plus simples à faire. Et Luxray, il spawn dans les savanes à différents moments de la journée. Comme quoi, aujourd'hui, on a du taf. Il ne faut bien sûr pas oublier aussi la liste de chasses légendaires. Et d'ailleurs, au vu que... Attendez, j'ai vu des petites particules en dessous, il y aura un Pokémon là-dedans. Attendez. Ah oui, il peut y avoir des Pokémon là. Bonjour. Enchanté. Non mais il n'y a personne. Mais vu que c'est la nuit, dans 30 minutes, c'est... Oh là là, il va falloir vite aller dans une Roofed Forest. Je sais qu'il y en a une juste à côté de la jungle et on va y aller très très vite. Parce que comme il spawn qu'à minuit, le coquin de Motisma, je préfère être très réactif sur ça et essayer de l'avoir directement parce que ça va... Il faudra vraiment tout le temps être là à minuit. Et après, on pourra repartir dans un Mesa si vraiment il n'a pas spawn. Voilà, là, il est minuit. Donc là, on va considérer que c'est le midnight peut-être pour lui. Donc je ne sais pas si on va le croiser de suite, hein, il est quand même ultra rare. Je pense qu'il considère, voilà, c'est pendant l'heure entière, donc dans... Là, on a encore, on va dire, une trentaine de minutes pour qu'il spawn, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Oh, je sens que ça va être très, très difficile comme chasse, hein. Mais je l'ai sélectionné, je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir un petit peu, voilà, un Pokémon un petit peu plus difficile à avoir comme ça, c'est toujours intéressant. À mon avis, on le verra pas cette nuit, les amis, hein. Il va falloir revenir souvent, je pense. Après, c'est bien, ça tombe bien, parce que la jungle, on va essayer d'y rester un petit peu la journée, parce qu'on n'oublie pas, bien sûr, qu'on a toujours un légendaire dans notre liste de chasse qui pop là-bas, on parle de Mew bien sûr, donc il faudra y passer de temps en temps. Nous allons donc aller dans le Mesa parce que nous avons plusieurs choses à attraper de ce côté-là, sachant qu'il y a le Dratak déjà qui spawn la nuit. Donc Dratak il va spawner dans les airs, ça va être un petit peu aléatoire hein, vu qu'il est très rare. Après s'il partage pas son taux de spawn avec un autre Pokémon volant, peut-être qu'on a pas mal de chances de le voir parce qu'on l'avait déjà vu la dernière fois, donc je me dis que en vrai ça peut passer. D'ailleurs juste après cette nuit, on en profitera pour passer par la maison pour mettre les shiny dans la shiny box. Ça c'est bien beau de construire des trucs, mais si on n'y met rien à l'intérieur, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ah là, nous avons un petit Galekid boss, on va se le faire. On sait jamais si on peut avoir un petit loot. D'accord, il m'a défoncé mon Rayquaza, ça n'a aucun sens. Hein. Ok, il est mort, est-ce qu'on peut avoir des récompenses? Une orbe flamme, bon, ça peut toujours être utile. On les garde de toute façon, les orbes, c'est toujours bien d'en avoir un maximum. Alors, le jour vient de se lever, alors malheureusement, en fait, je pensais à un truc, le Luxray pourrait pop le jour, mais en fait, pas du tout. Il pop uniquement la nuit dans les savanes de manière ultra rare. Parce que oui, on va essayer en priorité d'attraper le Pokémon évolué directement et de pas faire évoluer un Lixie, par exemple. Je sais que ça en a dérangé certains sur le dernier épisode et c'est vrai que c'est mieux de chasser directement le Pokémon en question, en priorité. Après, si vraiment on est bloqué, c'était dans les règles, on avait le droit de faire évoluer un Pokémon. Il y avait aucun souci. Mais c'est vrai que pour le challenge de cette série, je trouve ça plus intéressant. En fait, mais j'ai l'impression que dans cet épisode, tout se passe un petit peu la nuit parce que Zigzaton de Galar aussi on le trouve devant la base en règle générale, mais c'est souvent la nuit en fait. Donc au final tout va se passer la nuit, hein. Ça va être un épisode sombre. Oh oui. Alors allons mettre d'ailleurs nos petits shiny à l'intérieur de notre shiny box, comme je l'aime bien l'appeler. Ça c'est chiant que ça dépasse à chaque fois, oh là, c'est vraiment relou, c'est moche. Hein. Alors du coup on va tous les mettre un petit peu là pour l'instant, on en a... Ah non mais c'est vrai qu'on a droit qu'à que deux. Ah je verrai pour dans la config serveur modifier ça pour que ce soit un petit peu plus sympathique, parce que là il faudrait que j'en mette d'autres. J'en ai ici, je vais en profiter, mais c'est chiant quoi. Est-ce qu'on peut les mettre juste à côté? Oh, on peut les mettre juste à côté. Alors, je peux pas accéder à l'interface. C'est buggé. Oui, c'est bon. Gérer les Pokémon. Ok, les deux roses. Et là, ici. Alors, c'est pas le plus beau, on va dire, au centre, mais...
y a un petit truc sympa qui commence à se dégager. Moi, j'aime bien, comme ça, on les voit un petit peu tous. On voit que les deux, là, ils ont vraiment des modèles dégueulasses. Hein. C'est vraiment génial, quoi. Oh, un petit peu ce que ça donne depuis l'extérieur. Et comme ça, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Oh, on les voit un petit peu, hein. C'est pas mal. Après, bon, c'est bien que ce serait bien qu'on ait un gros Pokémon tout shiny. Mais ouais. Bon, après une après-midi et un début de nuit passé dans le Mesa, rien de nouveau. Hein. Pour l'instant, c'est un petit peu la galère, comme on pourrait se dire. Et en fait, d'ailleurs, je pensais, quand je disais oui, minuit et tout, c'est peut-être à en soi où il y a marqué minuit sur l'horloge en haut, là au-dessus de la map, mais j'ai pas l'impression que ce soit peut-être ça. Pour moi, le midnight, bon, c'est vraiment quand la lune est au centre, en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un petit peu plus sur cette session à l'intérieur de la Roufette Forest la nuit, pour quand même essayer de voir si on croise notre cher petit Motisma. On n'a rien trouvé, mais je crois qu'il y a un shiny. Je crois qu'on a un petit Misterbe shiny juste ici, parce que pour l'instant, le Motisma n'est pas là, mais... Tu es où? Là. Ouais, 100%. Mais oui, il est shiny, bien sûr. Bien sûr, le Misterbe shiny. La map, Macari, encore une fois. Allez, ça part sur une capture directement. Un nouveau shiny, ça fait toujours plaisir. Hein. Même si c'est qu'un Misterbe, hein, c'est pas la folie, hein, mais ça reste quand même intéressant. Et voilà, c'est capturé, impeccable. Impeccable, impeccable. Bon, malheureusement, le Motisma, c'est mort. Mais un nouveau shiny qui pourrait aller directement dans la nouvelle shiny box. Hein. En attendant la fin de la nuit, on va retourner dans le Mesa, même si ça me semble être assez court, hein, le temps qu'on laisse au Dratak pour spawn. Mais je tryhard un petit peu plus Motisma, parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus dur, voilà, parce que c'est vraiment à une heure précise dans la nuit. C'est pour ça que le Dratak a plus de temps de spawn et que je vais moins le prioriser, on va dire. Alors déjà, c'est intéressant de voir sa pré-évolution qui est juste là. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'il spawn. Hein. Levons les yeux en l'air, prions le Saint Dratak. Oh, il y en a un! Il est où? Oh, il a spawn en bas, MDR. Moi qui étais en l'air, un petit Dratak niveau 60. Incroyable! Alors attendez, on va essayer cette capture. Du coup, ça va être un petit peu plus compliqué comme capture, qu'on se le dise. Mais nice! Nice, nice, nice. Bon, ça part sur du fauchage. Alors, on va pas lui faire grand-chose, je pense, avec mon insécateur niveau 54. Ok, ma one-shot. Très bien, aucun souci. Bon, je vais essayer de lui faire un peu de dégâts quand même, parce que sinon... Je l'ai one-shot! Non! Je pensais pas le one-shot avec une seule attaque. Il n'y avait pas non plus une différence de niveau si élevée. C'est honteux ce qui se passe. Bon, ben rendez-vous à la prochaine nuit, bien sûr. On va aller se cacher dans la jungle et on va pleurer. Bon, normalement, on a toujours d'avoir fait quand même quelques captures pour ouvrir les Lucky Blocks. Mais là, vu qu'on a quand même une journée entière à attendre, je me dis que ça fera pas de mal de s'ouvrir quelques petits Lucky Blocks. Je rappelle bien sûr qu'on ouvre un Lucky Block tous les 1000 likes et que ces Lucky Blocks nous permettent d'avoir des Pokémon autant normaux que légendaires ou même des trucs un petit peu moins intéressant. Mais pour le savoir, on va les casser. Ok, des Eliandes, bonjour. Ça nous intéresse pas. Parce que après, j'espère aussi avoir peut-être des Pokémon de notre liste de chasse. Vraiment. Anaquali. On cherche Pyroli, nous. C'est honteux. Bah, il est très mignon, mais je ne peux pas t'attraper. Tu n'es pas dans ma liste. Ok. Ouais. Un mouton, mais va, casse-toi, sale bête. Oh là là. Ici, Scarabrut. Très bien, pas dans notre liste. Putain, mais c'est pas possible. Mourez! Mourez, sale bête! La pire ouverture de Lucky Block depuis le début de la série. Ah, c'est aujourd'hui, même pas un légendaire, pas un shiny, rien du tout. Surtout que ça nous fait pop un Aquali, quoi. Nous, on veut Pyroli. Ok, la nuit est en train de tomber, du coup, on va se rendre, bien sûr, dans notre magnifique Roufette Forest, dans laquelle on va essayer d'attraper un Motisma, toujours, hein. Motisma, il va falloir spawner. Bon, à mon avis, c'est mort pour cette nuit. Je vais encore retourner, bien sûr, dans le Mesa, en espérant re-avoir de la chance sur un Dratak. Ah bah, regardez, on vient d'arriver, il y en a déjà un. Ok. Bon, ça, c'est parfait. J'aimerais bien que ce soit comme ça avec tous les Pokémon. En fait, des fois, d'arriver dans la zone, vu que ça recharge un petit peu la zone et qu'il y a de nouveaux Pokémon qui spawn, c'est peut-être un petit peu plus simple. Faudrait peut-être que j'essaye de faire ça pour Motisma ou quoi, c'est de partir, revenir pendant la nuit pour essayer de l'avoir. Alors là, malheureusement, l'insécateur va encore prendre très très cher. Ah, peut-être que je peux lui faire un petit peu plus de dégâts. Mais le fauchage, il veut pas, il s'en fout, en fait. C'est ça? Ouais. Il a l'air de s'en foutre totalement, quoi. Ah, il y en a un autre encore au-dessus. Au pire des cas, voilà, je tente l'attaque. Voilà, au pire, il y en a un autre, on sait qu'il est là. En vrai, il est pas si rare que ça. Genre, il y en a deux qui spawnent dès qu'on revient dans la zone, ça a l'air d'aller, hein. Ok, je tente une dernière attaque. Allez, on sait que l'autre est pas loin, donc on pourra le retourner. Voilà, là, c'est parfait. Excellent. Excellent, excellent. Ah, peut-être. Et voilà, c'est capturé. Impeccable. J'ai juste envie de le sortir pour monter dessus. J'adore Dratak. Et en vrai, ouais, j'adore la façon dont il vole. Mais quoi, il y en a encore un? Mais trop facile ce jeu, en fait. Non, non, par contre, je voulais pas faire de combat. Je te laisse vivre, moi.
Je suis un chasseur gentil. Si je n'ai pas à te chasser, je ne te chasse pas. Ah. Eh ben, parfait, du coup. Premier Pokémon dans notre liste du jour. Et pas des moindres, en plus. Ça part sur une validation ici. Ça, c'est parfait. Et maintenant, bah, on va attendre le... On va vite aller dans la savane, je pense. Par contre, il faut que je me heal avant, parce que... C'est quand même un Pokémon qui est mort. Donc maintenant, on veut ici un Luxray. Qui spawn la nuit également, mais qui a un taux de pop aussi de très rare. Donc d'Elixir, on en verra pas mal, mais Luxray, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. C'est un Luxio, ça va, j'ai eu peur. Salut Luxio, t'as pas un grand frère dans le coin, non? Mais ouais, la nuit est déjà finie, mais on pourra s'y concentrer un petit peu plus tard tranquillement. On aura un peu plus de temps, vu qu'il est rare, ça peut être embêtant. Oh, quoi? Il y a Reiku dans la savane. Incroyable. Et il est où? Par contre, il est où? Dans une savana. Ouais, c'est vague. Mais c'est incroyable. C'est vrai qu'il spawn à l'aube. Et on est dans... À l'aube, j'avais pas du tout pensé qu'il fallait être là à l'aube. Moi, j'allais partir là. Par contre, je le vois pas du tout. Et ça me frustre. Il est là. Il est au bord de l'eau. Incroyable. Le Pokémon légendaire, deuxième de notre liste de chasse. Eh ben, c'est complètement fou. Maintenant, il faut juste pas le tuer, quoi. On va lui faire des petites attaques tranquillement avec son frère. Voilà. Avec Entei qui va lui faire quelques petits dégâts. Je n'ai malheureusement pas de Master Ball pour cette capture. Les crocs de feu, ça a l'air de passer. Ok, là j'ai très peur de lui mettre une autre attaque, on va plutôt partir sur l'hyperbole directement. Et là, on va juste prier. Voilà, on va juste prier pour qu'il rentre, parce qu'il va me défoncer mes Pokémon un par un. Ou alors je vais lui sortir l'insécateur. Sur un malentendu, il me fait pas de dégâts. D'accord, ok. Peut-être si c'est juste lui mettre un petit fauchage ou quoi... Ah, ça passera pas, malheureusement. Ok, sortons le Rayquaza. On lui fera pas de dégâts, on n'essaiera pas de lui faire du dégâts. On va essayer juste de le tomber comme ça et... de lui balancer des hyperboules. C'est très très long, hein. Je sais pas combien je suis de ball envoyé sur lui, mais il ne veut pas rentrer, il est capricieux de ouf, c'est incroyable. Hein. Et heureusement que j'ai soin, hein, parce que sinon le combat serait déjà fini depuis très très longtemps. De toute façon, au pire, on peut reset, se healer, repartir sur de bonnes bases, si vraiment on voit que ça passe pas. Je pense d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais aller vite fait me heal, en espérant qu'il ne dispawn pas. Ok, ok, il est toujours là, toujours là. On va refaire le même coup que tout à l'heure. Allez. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Il est bugué. Ah non, sois pas bugué, mec. Sois pas bugué, s'il te plaît. Voilà. Ça repart sur du croc de feu. On a vu à peu près combien ça pouvait faire de dégâts. On sait qu'on le one-shot pas avec. Il y a même moyen qu'on le mette un petit peu, peut-être en petite danse-flamme. Parce que... Ouais, danse-flamme, ça fait moins de dégâts. On va le gratter un petit peu avec. Ok. Je pense qu'encore une, ça aurait pu passer, mais malheureusement, il est mort. On va renvoyer l'insécateur. Un petit fauchage s'il passe. Ok, pour l'instant, il m'a pas fait une attaque qui fait des dégâts. Ok, encore. Ça peut encore passer. Ouais, cette capture est bien mieux, là. Il a fait un coup critique en plus en insécateur, et du coup, ce qui nous a permis de lui mettre vraiment à 1 PV. Ça va être, on va dire, un petit peu plus simple. Allez, en espérant qu'il fasse pas un truc chelou et qu'il se bute... Ce serait dommage. Et c'est capturé. Yes. Bête de foudre. Latias monte au niveau 75. Ah, very, very nice. Mesdames et messieurs, il va nous manquer que le petit Mew qui spawn, lui, dans les jungles. Mais alors ça, c'est vraiment la capture inattendue. Ça fait plaisir. On va aller valider le Reiku ici. Genre, j'étais même pas en mode tryhard dessus. Ou que, comme ça a pu être le cas, par exemple, pour Entei, on est resté longtemps à l'attendre. Mais en vrai, c'est ces captures-là qui sont les meilleures. Parce qu'en fait, tu t'y attends pas. Et quand ça apparaît, c'est trop bien. Quoi. Alors du coup ça va être la nuit, je vais vite aller me heal avant de partir dans la Rouffette Forest. Mais en tout cas, comme d'habitude, la vague de GG dans les commentaires pour ce légendaire. Il va nous en manquer qu'un avant la prochaine liste de chasse légendaire, donc ça c'est plutôt cool. Je pense que vous pouvez commencer à proposer dès maintenant des listes de chasse légendaire. Elles fonctionneront toujours par 3 par contre pour celle-là, parce que les légendaires c'est quand même plus dur à attraper. Mais vous pouvez proposer dès maintenant une nouvelle liste de chasse légendaire. Légendaire, parce qu'en soi il nous manque qu'un seul Pokémon, donc je peux commencer à voir un petit peu ce que vous voulez proposer. Allez, c'est parti pour la pire chasse de cet épisode, Motisma. Bon, pour l'instant, aucune trace, hein, de notre petit Motisma. Ce que je vous propose, c'est que vu que c'est bientôt la fin de la nuit, c'est quand même qu'on aille continuer à remplir la liste de chasse en allant à la base et en essayant de trouver un Zigzaton de Galar, justement, pour que quand même on coche un nouveau Pokémon. Voilà, regardez, il y en a un juste là, c'est bon, c'était simple, hein, c'était sûr que ça allait être simple. Il est où? Voilà, petit Zigzaton de Galar. Tellement stylé. Moi, j'adore Zigzaton de Galar. Surtout, ses évolutions aussi sont très stylées, hein, bien sûr. Mais ça part sur une capture, il est niveau 4, ça va
rentrer direct dans une hyperbole, ça va pas broncher, moi je vous le dis. C'était un petit peu la capture bonus dans cet épisode. Ok, c'était capturé, impeccable. Ça part dans le PC, il est juste là, ok, ça part dans le PC, juste là, sur cette ligne ici. C'est bien, c'est parce que, d'ailleurs on n'a pas remarqué, mais on a les trois chiens légendaires sont présents dans mon équipe. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais au prochain épisode, ça serait bien qu'on ait pas une shiny box, mais une dog box, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, je pense que je leur ferai une petite chambre rien qu'à eux, les trois ensemble, ça pourrait être stylé, à voir où est-ce que j'arrive à caser ça, mais pourquoi pas. Et profitons de la fin de la nuit pour essayer de voir si on n'arrive pas à voir un petit Luxray, bien sûr, dans la savane qui est là. Faut pas louper une occasion. Alors là, c'est quoi, j'ai pas vu? C'est un luxueux encore. Meurs. Ah, je crois... Ah, on a un Pyroli, nice. Oh, il est énorme. Oh, la taille du machin. Salut, toi. Regardez-moi ce beau bébé, quoi. Genre, il est immense. À savoir, sur un fauchage, il est niveau 46, ce qui est plutôt pas mal. Et en vrai, sur un épisode normal, on aurait déjà validé la liste de chasse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, vu que nous avons changé le format. Mais ok, voilà. Pyroli est au plus bas de sa vie. Et maintenant, ça part sur de la boule. Je pense qu'il va être difficile à attraper. Il va pas rentrer sur la première boule. Hein. Du moins, je pense pas. Si c'est comme Evoli, ils sont normalement un petit peu difficiles. Ils sont un petit peu capricieux. Hein. C'est un peu des divas, de toute façon, les évolutions. Ils se la pètent un peu. Ils sont tellement nombreux que, bon, au bout d'un moment, ils ont pris la grosse tête, quoi. Ok, c'est attrapé. Nice. Il a été envoyé directement au PC. Et nous, ce qu'on va faire directement, c'est valider ça sur la liste de l'épisode 12. Alors d'ailleurs, on n'a pas validé Zigzaton de Galar, c'est bon. Pyroli, c'est bon aussi. Il va donc nous manquer Luxray et Motisma, qui spawnent tous les deux la nuit. Et ça va être très embêtant, parce qu'au final, le jour, on n'a plus grand-chose à faire. Il y a déjà eu un légendaire à cet épisode, donc il faut toujours attendre 2-3 heures avant qu'un nouveau légendaire spawn. Hein, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne toujours. Et bon, la nuit est en train de tomber, donc ça tombe bien. On va aller directement dans notre cher Rouffette Forest, pour l'instant, histoire de finir ces listes de chasse du jour, parce que moi, j'y compte bien. J'y compte bien d'aller jusqu'au bout, parce que je veux mes récompenses. Hein. Let's go. Alors, en me renseignant sur le Midnight sur Minecraft, c'est vraiment quand la lune est au plus haut en soi. Donc, c'est pas vraiment, pour moi, c'était minuit. Mais en fait, pas du tout. Hein. Donc, c'est sûr que c'est vers ces eaux-là, entre 14 et 15 heures de la nuit, de ce qui a marqué, en tout cas, sur l'horloge de journée map. Mais ça nous donne une information plus précise et au moins, on sait que c'est à ce moment-là et après, on peut juste se barrer parce qu'il ne spawnera plus. C'est sûr et certain à 100%. Voilà. Donc là, on va dire que on va arriver au Midnight dès maintenant. Et du coup, ouais, il n'y en a pas, encore une fois. Je pense que c'est mort pour cette nuit, on va se concentrer sur le Luxray, qui lui aura un petit peu plus de chance d'être dans le coin, quoi. Voilà, en espérant que lui, il ne soit pas capricieux et qu'on le voit cette nuit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Luxray. Encore un Luxio, mais va-t'en. Oust, ça suffit maintenant. Ouais, beaucoup de Luxio et de Lixi, mais Luxray, il veut pas. Hein. Luxray veut pas du tout. Je pense qu'à terme, on va tout simplement l'attraper, attraper un Luxio et le faire XP. Mais voilà, encore une nuit qui s'achève. L'aube pointe le bout de son nez, malheureusement. Je pense que là, on a juste à attendre. On va attendre jusqu'à la prochaine nuit et on verra bien. Ok, on approche du Midnight. Normalement, ça va bien se passer. Et on y croit très très fort. Ouais, pour l'instant, ça me semble être encore un petit peu complexe. Il y a des choses un petit peu... Ah, oh, je crois qu'il y en a un. Attendez, j'ai pas vu. Je crois que... Ah, ça en face, c'est un Motisma. Attendez, sortons les Pokémon. Oui, c'est un Motisma. C'est bon, incroyable. Après tant d'attentes, on n'y croyait plus. Oh, il a une couleur bizarre. Non, il est pas shiny, hein, je pense pas. Ok, Motisma niveau 28. Oui. Un fauchage qui passera pas d'ailleurs. C'est vrai que je suis en train de mettre un fauchage, mais ça passera pas du tout. On va partir sur de la balle directement, parce qu'il est électrique spectre normalement, si je ne m'abuse. Mais on aura réussi à l'avoir et ça j'y croyais pas vraiment. Après, ça fait longtemps que j'attends. Donc, je le mérite, ce petit Motisma. En tout cas, vous avez une belle vue de ce qui se passe, là. Je suis en train de remarquer que on était sur de la très belle vue, en tout cas. Et c'est capturé. Nice. Ça a été envoyé directement au PC. Par contre, Funessir, s'il te plaît. Voilà, va-t'en. On est occupé. Tac. On est à 4. Donc, en soi, déjà, cet épisode est validé, même si on trouve pas le dernier Pokémon, mais je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème. Comme on l'a dit, au pire, on fera évoluer un Luxio. Il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, un épisode qui commence à être bien, rudement bien mené. Un légendaire, la liste de chasse qui se remplit. Comme à chaque fois, on se donne les moyens de tout avoir, quoi. Ça va, Mister?
besoin d'aide? Non, bah crève. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir directement. Alors moi, j'aime bien la jungle. Moi, j'aime bien la savane qu'il y a ici maintenant. Je suis habitué à venir là parce que je trouve qu'il y a bien plus de place un petit peu que dans la savane qu'on utilisait au début. Et surtout, ah, c'est l'aube. Bah c'est déjà trop tard. Donc il va falloir attendre la prochaine nuit. Mais là, je voulais me renseigner parce qu'en cette fin d'épisode, je veux faire un voyage et je n'ai pas ce qu'il faut. Il va falloir aller à la base. Je voulais faire un voyage vers l'Origin Island. Comme on a dit, on essaierait d'y aller et de découvrir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Par contre, il est où mon nature compass? Nature compass. Je l'ai foutu où ce truc? Dans ça? Peut-être là-dedans. Voilà. Il est là. Mais oui, on a dit qu'on irait visiter cette Origin Island prochainement. On va retourner dans le Mesa parce que ça fait partie des coordonnées les plus loin que nous avons. On a dit peut-être voilà qu'on ferait une petite base secondaire. Voilà, c'est introuvable en partant d'ici. Je sais plus si on avait trouvé quelque part, mais il faudra essayer de voir si on peut faire un petit peu mieux. Je regarde sur l'Origin Beach s'il trouve quelque chose. Non, introuvable hein, pour l'instant. Mais je vais voir si j'arrive à trouver en tout cas les coordonnées d'une Origin Island et ça serait bien qu'on y aille un petit peu. Voilà, j'aime bien sur biome ce plantier, toujours trouver ce biome là. Peut-être se faire une petite maison de vacances là-bas. Du moins une deuxième base. Donc la nuit est en train de tomber sur la savane. Et c'est maintenant qu'on va savoir. C'est cette nuit qui sera décisive pour savoir si on attrape directement un Luxray ou si on attrape un Luxio qu'on fera évoluer. Alors est-ce que ça, c'est un Luxray ou c'est un Luxio encore? Ça c'est un Luxray ça. Ah ouais. J'en ai rarement vu dans Pixelmon, donc c'est vrai que j'étais un petit peu étonné. Niveau 34, bah du coup on peut dire que c'est validé aujourd'hui. Impeccable. On va pouvoir prendre notre récompense et se faire plaisir avec cette récompense. Allez mon Luxray, tu vas rentrer comme Jaja. C'est impeccable. Voilà, il est au plus bas de sa vie. Ça part sur du lançage de boules. Et ça rend du premier coup. Ça rend du premier coup en plus. Eh ben écoutez, c'est une liste de chasse à 5. La première que nous remplissons en entier. Ça fait plaisir. On a vraiment des belles captures aujourd'hui. Je trouve que les listes étaient plutôt intéressantes. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez. Et maintenant, ma mission, c'est de voir un petit peu si je trouve une Origin Island. Surtout si le compas m'en trouve une déjà. Ce serait déjà assez compliqué. Je vais me balader de biome en biome en faisant pop la recherche pour voir un petit peu ce qui se passe. Essayer de voir si on arrive quand même à en localiser une introuvable dans un rayon de 10 000 blocs quoi. C'est un truc de fou hein. Ce que je vais faire c'est qu'en partant de la jungle qui fait partie des biomes les plus loin que j'ai vu, je vais partir plus loin, relancer des recherches et si on trouve pas bah on n'ira pas à cet épisode et il faudra vraiment faire une recherche très assidue pour essayer de trouver ça. C'est quoi ce biome? Il est incroyable. C'est une sorte de jungle. Ah mais c'est du bambou ça. Ah bambou forest, yes ok. Toujours introuvable après quelques blocs parcouru quand même hein. J'essaye au fur et à mesure, j'avance tout droit dans une direction, on verra bien hein. Peut-être on tombera dessus. Ok, je croise enfin un village. Comme ça, je peux faire une sorte de sauvegarde un petit peu. Pour revenir à ces coordonnées-là. Par contre, j'avais jamais vu ce biome. C'est incroyable, c'est beau. C'est très girly, on va dire. C'est quoi, c'est des cerisiers, c'est ça? Cherry Blossom Grove, ok. Ah ouais, incroyable. Et par contre, notre Origin Island est toujours introuvable quoi, c'est un truc de fou. Mais au moins on aura pris un point de sauvegarde assez loin. On est quand même à je sais pas plus de 13 000 blocs de la base hein, 14 000 blocs de la base, donc c'est quand même, on a parcouru une bonne distance pour aujourd'hui, mais on continuera nos recherches, ne vous inquiétez pas. Et du coup de retour à la base, on va aller chercher directement notre Lucky Shulker pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Voyons voir ce qu'on va avoir aujourd'hui. Une boîte de shulker jaune et la Master Ball. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Master Ball d'ailleurs. Et ça peut nous être très utile pour toujours les captures de légendaires. Donc c'est très agréable. En plus, bah là, on la mérite parce que 5 Pokémon attrapés aujourd'hui avec des captures pas très très faciles. On peut se dire que c'est pas mal. Ok, il y a un petit boss là. On va se le faire avant la fin de cet épisode. On va lui sortir notre Rayquaza. Ok, oh, on lui fait très mal. Le pauvre, il a pris très cher. Ok, bah il est mort en deux coups. C'est parfait. Et du coup, on a une Farantite et un casque brut et le reste on s'en fout un petit peu. Bah en tout cas mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère bah voilà qu'il vous aura plu et que le changement un petit peu de format vous convient également. En tout cas ça donnera des épisodes un petit peu plus consistant, on va dire, tout en gardant l'âme de base de la série. Proposez donc des listes de chasse de 5 Pokémon pour le prochain épisode, qui sera jeudi prochain, bien sûr. N'oubliez pas de liker également, ça sert à avoir un maximum de Lucky Block. Et bien sûr, de vous abonner si vous voulez pas louper les prochains épisodes. Et même les autres vidéos de la chaîne, hein, c'est assez important de les regarder aussi. En tout cas, moi, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. La team vraie, hein, je compte toujours sur vous. Je vous
fait des bisous. Ciao, bye bye.